Salut Dragon, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer ma progression en force au développé couché avec le programme du 5-3-1. Donc tout d'abord, avant de vous montrer ma progression en vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le 5-3-1. Donc le programme de force du 5-3-1, je l'ai connu par rapport à notre ami Karim Proving qui a commencé à le faire. Et du coup ça m'a donné envie d'essayer ce programme de force. Parce que en fait, à la base, j'ai jamais essayé de programme de force. Donc là, j'ai voulu l'essayer pour vous le montrer, pour voir si le partager avec vous et voir si ça marche vraiment, quoi. Si j'avais progressé, par exemple, au développé couché. Donc alors, pour explication, le programme du 5-3-1. J'ai fait mon petit tableau. Donc le tableau, vous pouvez le trouver sur le net, sur Google. Vous tapez programme de force 5-3-1, vous allez le trouver. Mais je le mettrai à la fin de la vidéo, de toute façon, au pire. Donc alors, la première chose à faire, c'est de prendre son 3RM. Prendre son 3RM. 3RM, c'est-à-dire le 3 rep max que vous pouvez faire. Donc là, c'est au développé couché. Moi, c'est 115 kg au développé couché. J'allais oublier. Sachez que, en fait, pour le programme 5-3-1, on peut le faire au développé couché, développé militaire, soulevé de terre et squat. Moi, je les ai fait sur les 4, mais bon, je vous ai filmé le développé couché déjà. Donc moi, c'est 115 kg mon 3RM. Bon, on va se baser tout le temps sur son 3RM. Donc, week 1, c'est-à-dire la semaine 1. On va commencer par la première série, faire 65%, 5 répétitions. Série 2, 75%, 5 répétitions. Série 3, 85%, 5 plus. C'est-à-dire, on doit faire minimum 5 reps, c'est-à-dire valider 5 reps à ce poids. Et en faire le maximum, mais sans aller à l'échec. C'est-à-dire, si j'en fais 10 à la 11e, je sens que ça va être chaud, je ne fais pas la 11e. Je valide ma 10e rep et basta. Ensuite, quand vous avez fait votre première semaine, vous attaquez la semaine 2, week 2. Donc là, ça sera sur du 3 rep, 70% x 3, 80% x 3 rep et 90% 3 plus. Minimum 3 au maximum. Week 3, semaine 3, là ça sera du 5-3-1. Donc c'est-à-dire 75% vous faites 5 reps, 85% 3 reps, 95% 1 plus. Vous allez au max, minimum 1. Après, vous avez le choix, ça c'est le premier cycle, soit d'enchaîner un deuxième cycle directement, ou soit vous passez d'abord par une semaine de décharge, on appelle ça semaine de décharge, c'est-à-dire vous allez plus essayer de travailler votre technique, donc c'est-à-dire 40% 5 reps, 50% 5 reps, 60% 5 reps, vous n'êtes pas obligé. Par exemple, moi je ne l'ai pas fait, j'enchaînais deux cycles directement. Alors, en fait, pour savoir si vous avez progressé, donc quand vous avez fait ce premier cycle, vous allez attaquer un deuxième cycle. Mais en fait, au deuxième cycle, vous allez ajouter 2,5 kg sur votre barre, en fait. Donc, admettons, là, ici, à 85%, j'ai mis 90 kg, j'en ai fait 10. Le deuxième cycle, ben, je vais mettre 92,5. Et si j'ai fait 10 répétitions, c'est que je suis dans le progrès, en fait. Pour ça, vous allez vous baser sur le même nombre de répétitions ou à 2 répétitions près. Par exemple, si j'en fais, là j'ai la semaine 1 au cycle 1, j'ai fait 90 kg, j'en ai fait 10. Si j'en fais 8 à 92,5, je suis quand même dans le progrès. Donc voilà, c'est ça en gros le programme de force du 5-3-1. Par contre aussi, un truc que ne faut pas que j'oublie, au squat et au soulevé de terre, vous n'allez pas ajouter 2,5 kg, vous allez ajouter 5 kg. Normalement, sur le net, c'est marqué 2 kg et 4 kg. Mais bon, on peut pas. Donc, on va se baser sur 2,5 kg et 5 kg. Donc, voilà. Bon, maintenant, place à la vidéo. Et on se retrouvera après pour faire un petit débriefing. Donc, nous vous revoilà pour la troisième série. Donc là, je vais prendre 85% de mon 3RM. Donc ce qui correspond à 97,5. Donc là, je vais faire le max de reps, minimum 5. 5 plus 1. C'est-à-dire, je fais minimum 5 reps, mais je vais au max, mais sans aller à l'échec. Allez, c'est parti. We'll be right back.
Là, je vais attaquer ma deuxième série, 80% de mon 3RM, qui est de 92,5 kg. Donc là, j'ai pris 3 minutes de repos. 3 à 5 minutes, moi j'ai pris 3 minutes là. Donc vas-y, j'attaque ma deuxième série. Donc voilà, bon, c'était un peu chaud là, j'en ai fait 10. Donc là c'est ma dernière série, la troisième. Donc je dois faire un max à 110 kg ou 95% de mon 3RM. Je dois faire au moins une. Et une plus un quoi. Faut pas que j'aille à l'échec. Je vais essayer d'en faire plus. Hein. Galère les premières, mais je me suis énervé. Voilà, j'en ai fait 8. Donc là, c'était la fin de mon premier cycle. Donc je vais attaquer le deuxième cycle. Peut-être la semaine prochaine, je vais peut-être pouvoir prendre deux pauses. Et je devrais ajouter 2,5 kg sur chaque barre. Et si je fais autant de reps sur chaque barre avec 2,5 kg en plus, autant ou deux reps de différence, c'est j'aurais pour laisser. Donc on verra ça la semaine prochaine. Salut les dragons. Donc là on est de retour sur le cycle du 5-3-1 pour la force au développé couché. Donc là j'attaque mon deuxième cycle. Donc au deuxième cycle en fait il faut rajouter 2,5 kg sur chaque barre. Donc là ma première barre elle est à 77,5 et je dois faire 5 reps. Alors qu'au premier cycle c'était à 75 kg, je devais faire 5 reps. Donc là 77,5 pour 5 répétitions. Donc là on est sur la dernière série, 100 kg. Donc au premier cycle j'avais fait 10 reps à 97,5. Donc là j'ai rajouté 2,50, je suis à 100 kg. Faut que j'en fasse au moins à 10, voire à 8. Mais faut que j'en fasse plus même, pour être dans la progression. Et là je vais mettre une musique qui va m'énerver. La vidéo c'est Bodybuilding Motivation Squat Everyday. Et cette musique elle me rend ouf, et elle m'énerve. Donc là j'en ai fait 14 à 100 kg et j'en ai fait 10 à 97,5. Donc je suis en progression. Thank you.
troisième série dernière. Je dois faire un max à 105 kg, minimum 3. Bon, comme vous l'avez déjà, je l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, c'est 3 plus 1 quoi, faut pas j'ai à l'échec. Mais je vais en faire plus. Là je suis pas trop chaud. Mais bon, faut s'énerver. Je vais essayer de m'énerver pour pousser. Allez go. J'ai forcé, donc là j'en ai fait 11, donc ça va, je suis dans le progrès. Rendez-vous à la semaine 3. Donc de retour sur le système du 5-3-1. Donc là j'attaque la fin de mon deuxième cycle, donc la troisième semaine. C'est parti pour la troisième série. Donc là, je dois faire un max de reps. J'ai rajouté 2,5. Je suis à 112,50. Donc je dois faire un max de reps. Normalement, c'est 1 plus 1. Mais bon, au cycle 1, semaine 3, j'en avais fait 8 à 110. Donc là, il faut que j'en fasse au moins 6, là, voire plus. Quoi. Faut se motiver. Bon, allez, c'est parti. Oui, je sais, la première chose que des gens ont dû se dire quand ils ont vu la vidéo, ouais, il lève le cul sur certaines reps, etc. Nanani, nanana. Ok, je l'avoue, sur certaines répétitions, quand je suis vraiment presque à mon maximum, que vraiment je pousse, j'ai pratiquement plus de force, j'ai tendance à m'aider, je le fais pas exprès, hein. Je lève mon cul un peu. Ça, c'est un truc que ça fait un moment que j'essaie de corriger. Je le corrige un peu, mais là, quand c'était un peu lourd ou c'était vraiment à la fin des reps, je le levais un peu. Bon, j'essaie de le corriger, donc sois indulgent sur ça. Je vais, de toute façon, au fur et à mesure, j'essaie de bosser ma technique, trouver le moyen de vraiment plus le faire du tout. Donc, je suis pas un professionnel du bench press. Hein. Donc, alors, le petit débriefing. Donc, comme vous avez pu voir, premier cycle, week 1. 115 kg mon 3 RM, donc c'était 75 kg. J'ai fait 5 reps, 85 kg, 5 reps. À 97,5, j'en ai fait 10 au max. Semaine 2, pareil, hein, 80 kg, 92,5, 102 kg, j'en ai fait 10 au max. La semaine 3, j'ai fini par un 110 kg, j'en ai fait 8 reps au max. Donc, j'ai rajouté 2,5. Au cycle 2. Là, j'ai fait 14 répétitions à 100 kg. Et j'en ai fait 10 à 97,5. Donc là, il y avait une grande différence. Mais c'est vrai que dans la semaine 1, là, j'aurais pu en faire plus que 10. Je pense que j'avais vraiment forcé. Mais bon, c'était la première, je voulais gérer. Donc 8,2, 102 kg, 5, 10 reps. 8,2, cycle 2, 105 kg, 11 reps. Progression. 8,3, 8 reps à 110 kg. 8,3, ce cycle 2, 112 kg, 5, 7 reps. Une rep de moins, mais je suis quand même dans la progression. J'aurais dû en faire au moins 6. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, le bilan des deux cycles que j'ai fait au développé couché, bah, il est positif, j'ai progressé. Parce que je me rappelle, avant d'avoir même attaqué le cycle, j'ai dû réussir une fois à faire 10 reps à 100 kg. Sinon, je faisais 8 ou 9. Maintenant, les 10 reps, je suis sûr de les faire. Donc, c'est pas un souci. Donc voilà, je pense que je vais continuer. Je vais continuer ce programme de force. De toute façon, je le fais dans les 4 exos. Mais je vais le continuer au développé couché. Donc, dites-moi si la vidéo vous a plu.
Dites-moi en commentaire si vous voulez que je la continue. Je pense que je vais plus la faire en vlog cette fois-ci que comme je l'ai fait là dans cette vidéo-là. Là, il fallait que je vous explique un petit peu. J'ai préféré vous expliquer un petit peu sur un tableau et tout pour que vous compreniez mieux le système. Donc voilà, je pense que je vais plus le faire en mode vlog et puis vous montrer la suite de mon training quand je fais le développé couché, la suite de ce que je fais chaque jour. De toute façon, je le fais une fois par semaine. Et c'est ce système-là. Pour l'instant, tous ceux que je connais qui l'ont essayé, ils ont progressé. C'est bien d'avoir une base, un petit programme de force. Moi, j'avais jamais essayé un programme de force. D'habitude, je faisais du 5-5, du 3 reps et tout, etc. Mon max au développé couché, je pense que je le testerai après avoir fait au moins 3-4 cycles. Je ne vais pas me presser pour faire un max. Je le partagerai avec vous, mon max au développé couché. Donc voilà, partagez avec vos amis la vidéo. Cliquez ici, abonnez-vous à la chaîne. Un petit message, un petit big up à Eram. Donc Eram, c'est la personne qui nous fait les musiques. Donc il y a DJ Mingo aussi. Il y a beaucoup Eram qu'on utilise comme son. Comme dans cette vidéo-là, j'ai utilisé un son de Eram. Il y aura son Facebook, sa chaîne YouTube dans le descriptif de la vidéo. Donc suivez-le, allez voir, il fait vraiment du bon son, des bonnes prods. Que ce soit hip-hop, house, dubstep, etc. Surtout, n'oubliez pas. No fake, just training.